Alors, allez, ça nous donne un très bon aperçu d'un terrain à défricher, sans doute de mythes ou de neuromythes à lever. Alors, on attaque et chacun va se présenter, dire pourquoi il est là ce soir, de quel point de vue il va pouvoir aussi défendre, argumenter. On a une heure et ce que j'espère pour vous, c'est une heure pour que vous puissiez vraiment construire une représentation de qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots et en quoi ça va vous concerner et impacter votre métier, vous d'abord. Bonjour, donc je suis Arabelle Laurence, je suis la directrice générale de Balthazar Academy. Balthazar Academy, son métier c'est de s'occuper des académies métiers, de monter des dispositifs apprenants au service des compétences spécifiques des organisations. À ce titre, nous intégrons beaucoup de solutions qui sont ici, c'est-à-dire on va être sur de la multimodalité. Donc ça c'est notre cœur de métier. Et pour faire le lien avec, moi je vais faire avec les neurosciences, vu de ma fenêtre, c'est un immense soulagement que cette science existe parce qu'elle vient démontrer des choses dont on avait l'intuition en tant que formateur, éducateur. On voyait bien qu'effectivement, nos préférences cognitives étaient différentes, que les portes d'entrée que l'on pouvait choisir allaient influer sur notre rapidité d'apprentissage. Donc, merci à cette science d'exister pour au moins démontrer et donner des preuves qu'on n'était pas fou et qu'il y avait bien des modalités plus efficaces que d'autres. Voilà. Et pour ce qui est plutôt de l'intelligence artificielle, moi j'y vois une énorme opportunité. On sait qu'en 5 ans, les budgets de formation ont augmenté de 50% aux États-Unis. C'est une perspective extrêmement réjouissante de vue de nos métiers. Et on reviendra en détail là-dessus et il y aura l'occasion d'aller illustrer et argumenter le point de vue. Bonsoir, Loïc Legac. Je suis le fondateur de Syncovery. Nous, on est sur un métier très proche. On fait de la conception de formation sur mesure en utilisant effectivement toutes les modalités. On est concepteur de ce qu'on appelle des learning experiences pour nos clients. Donc concrètement, on essaye de répondre au mieux à des problématiques de formation et de faire des organisations apprenantes. Question compliquée, bien sûr. Oui, on peut se réjouir des neurosciences. Je trouve qu'il faut être prudent sur le fait de dire que ça donne des preuves, ça donne des pistes. Je trouve qu'on a tendance à s'en emparer un peu vite, et comme pour toute chose, comme tous les outils, nous, c'est notre philosophie. Il faut regarder dedans et puis au cas par cas, se dire est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est pas intelligent, est-ce que c'est adapté ou pas. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est super prometteur. On est au début. Parler d'adaptive learning aujourd'hui, c'est quand même... il faut regarder ce que ça fait. Ça reste très, 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 très timide. Ce qui est sûr, c'est que ça a un énorme impact, je pense, sur l'écriture, sur la manière de concevoir la formation. Et c'est là qu'est la vraie révolution. Dans les deux cas, on ne peut plus penser une formation de la même manière si on intègre les neurosciences et si on intègre l'intelligence artificielle. Bonjour à tous. Je m'appelle Sam Tirelli. Je suis chercheur en économie à la base. Donc, je fais mes travaux de recherche à l'École normale supérieure sur les questions à la base de contexte éducatif et inégalité scolaire. J'ai cofondé, je dirige Didask, qui est une jeune start-up qui on a conçu un nouveau type de module de formation digitale qui propose une méthode pédagogique qui articule toutes les recommandations aujourd'hui de la suffisamment éprouvée et solide de la recherche en sciences cognitives. Et donc, on aide nos clients à concevoir des modules de formation digitale qui suivent cette méthodologie. On propose aussi tout un catalogue de formations déjà préconçues sur un ensemble de thématiques transverses qui intéressent beaucoup de monde. Et on accompagne aussi un ensemble d'entreprises, d'organismes de formation, d'établissements d'enseignement supérieur également, à repenser les pratiques de formation et d'apprentissage en interne à l'aide des sciences cognitives à nouveau. Voilà. Merci. Bonjour, donc je suis Virginie de la société Tips & Learn que j'ai cofondée avec Jeanne qui n'est pas loin. Et nous, notre mission, c'est de transformer une expertise métier, quelle qu'elle soit, en matière pédagogique, digeste, terrain et avec une dimension plaisir assurément présente. En tous les cas, ça fait partie de ce à quoi on tient. Voilà. Et en termes d'intelligence artificielle et de neurosciences, dans la mesure où notre terrain de jeu, c'est le digital,
C'est évidemment quelque chose que l'on travaille au quotidien, alors de façon très modeste, parce qu'on n'en est qu'au début, comme on est tous à le dire ici ce soir. Mais on le travaille à travers notre démarche de R&D, notre démarche de veille. Je vous donnerai des petits exemples tout à l'heure, mais ça reste extrêmement modeste. Par contre, je suis persuadée qu'on ne peut pas aller à contre-courant de ce qui fait notre époque et qu'en tous les cas... Personnellement, on trouve qu'on vit une époque formidable, même s'il y a des choses qui seront plus ou moins intéressantes et même s'il y a des problématiques de déontologie sûrement à mettre sous surveillance, ça reste quand même une belle aventure. Alors, avant de donner plus longtemps la parole à chacun, je proposerais bien, Loïc, que vous nous présentiez la vision ou une définition peut-être de l'IA ou des neurosciences, parce qu'il y a qu'est-ce que ça recouvre. Chacun met derrière ces mots des choses différentes, donc essayons au moins là ce soir de nous créer un référentiel commun sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'IA dans la formation et qu'est-ce que ça peut apporter les neurosciences aujourd'hui dans la formation. Ok, simple. J'ai bien entendu 30 secondes, j'imagine. Non, okay. Non, allez, 2 minutes. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, la grande tendance de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning. Donc on retrouve le terme de learning. Pas totalement un hasard, puisqu'on a essayé effectivement de s'inspirer du fonctionnement de l'apprentissage dans le cerveau pour créer l'intelligence artificielle. On s'aperçoit que ce décalque, il n'est pas toujours évident, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle a beaucoup à apprendre de la formation, plus que la formation n'a à apprendre de l'intelligence artificielle, d'ailleurs. Quand on pense à notre métier, moi je vois deux choses, mais je ne prétends pas tout savoir. La première, c'est ce qu'on appelle l'adaptive learning. L'adaptive learning, c'est quoi ? C'est on fait du digital learning, donc on s'adresse à une grande masse d'individus. À partir du moment où on s'adresse à une grande masse d'individus, assez vite, on va se poser la question, comment je peux individualiser tout en touchant beaucoup de monde ? Donc j'ai besoin d'automatiser l'individualisation. Automatiser de l'individualisation, c'est exactement ce à quoi sert l'intelligence artificielle, et c'est le propos de l'adaptive learning, c'est dire mon parcours va pouvoir, par exemple, se modifier en fonction de ce que vit mon apprenant, et je vais lui proposer un grain pédagogique plus adapté parce que j'ai détecté qu'il en était là, de son niveau, de ses compétences, et donc moduler le parcours en fonction de son vécu. Faire ce qu'on appelle en marketing aussi du cross-selling, lui reproposer un autre parcours parce que j'ai détecté une faiblesse de compétences à tel moment. Ça, c'est un des grands propos, un des grands sujets, effectivement, de l'intelligence artificielle dans notre domaine. Puis il y a un deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle les chatbots, c'est-à-dire essayer là aussi, toujours dans cette tentative d'individualisation automatisée, d'avoir une interaction avec l'apprenant qui est faite par un robot, mais un robot qui va ressembler un petit peu à un homme, qui va répondre de manière pertinente à une question. Il y a un super projet qui a été conduit par des organismes de recherche et une boîte privée, par exemple, pour essayer de diffuser le thésaurus médical français à des médecins en Afrique. Et donc, je suis en train de traiter, je suis en plein traitement et j'ai besoin d'accéder à la bonne réponse. Et c'est un chatbot qui va faire le boulot. Voilà, donc c'est un exemple d'application de l'intelligence artificielle. Deuxième question, c'était les neurosciences. Alors les neurosciences, là aussi, super question, merci Yannick. Il y a neurosciences et sciences cognitives, donc là, on passe des sciences expérimentales aux sciences humaines. Enfin bon, bref, tout ça, il y a plein de débats derrière. C'est quoi les gros sujets ? C'est l'arrivée des IRM, le fait qu'on puisse regarder en live, ou quasi en live, ce qui se passe dans le cerveau pendant que quelqu'un est en train d'apprendre. Où est-ce que ça s'allume ? Comment ça marche ? Et puis comment se construit l'apprentissage physiquement ? Comment se recadrent nos neurones ? À quel moment il y a de la plasticité, pas de plasticité ? Ça, on en sait plus. Et quand je disais qu'il faut être prudent, on en sait plus, mais les sujets qu'on étudie le plus, ce sont les enfants. Ce sont plutôt dans le domaine de l'éducation initiale qu'on va avoir effectivement des expériences scientifiques, expérimentales qui ont été conduites. Et en tirer des conclusions sur la formation professionnelle et les problématiques de formation professionnelle, je trouve ça très souvent abusif, le pas. Et voilà, faut être prudent parce que c'est pas du tout la même chose que d'apprendre à lire et que d'apprendre à respecter une consigne de sécurité alors qu'on a, on est dans une usine. Voilà. Donc ça, c'est les neurosciences effectivement sont venues nous apporter des choses, notamment les fameux 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, qui est un des chercheurs les plus connus en France sur le sujet, qui viennent structurer quand même la manière de concevoir un parcours. Il faut d'abord être capable de capter l'attention,
2, susciter un engagement actif, 3, avoir un retour d'erreur immédiat, hein, ce qu'on appelle, ce qu'on sait depuis longtemps en sciences de l'éducation, ce qu'on pressentait, mais ce qu'on fait jamais d'ailleurs, hein, en présentiel, le retour d'erreur, il est très très loin, et puis 4, consolider par le sommeil, par la mise en relation avec l'ensemble des autres apprentissages qui va favoriser la mémorisation de long terme. Voilà, j'ai essayé de m'en sortir. Bon, je pense que ça défriche quand même assez bien les champs sur lesquels on peut réfléchir ce soir. Alors, moi j'aimerais bien savoir, Arabelle, qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans la façon de faire de la formation ? Quelle transformation vous vivez, vous, à Balthazar, aujourd'hui, dans la formation ? Et quelle place ça laisse, justement, à ces approches nouvelles ? Alors, ça change déjà la demande qui nous est faite. Aujourd'hui, on nous demande, il y a une vraie prise de conscience que la formation avec des gens assis dans une salle, c'est bien, mais ça ne va pas, en fait. C'est-à-dire que ça peut être intéressant si votre speaker est très, très bon, mais à un moment donné, les gens n'ont pas vécu quelque chose et donc il ne va pas en rester grand-chose. Et donc, on a aujourd'hui des demandes quasiment systématiques qui sont autour de l'expérientiel. Alors, le mot est aujourd'hui très vague. On ne sait pas très bien... Voilà, ça couvre plein de réalités, mais il y a une augmentation de la maturité de nos interlocuteurs sur ces sujets, parce qu'au début, quand on parlait expérientiel, on parlait un peu événementiel. Voilà. Là, il y a une demande aujourd'hui de, OK, on veut vivre quelque chose, mais il faut aussi nous aider à faire le lien entre ce qu'on a vécu, peut-être de façon décadrée, autour du sport, autour d'un jeu, et la réalité. Donc, on aide à faire ces liens. Donc ça, c'est devenu une exigence nouvelle et très forte. Alors nouvelle, ça fait 2-3 ans, mais aujourd'hui, elle est vraiment systématique dans les demandes qui nous sont faites. Et plus tant sur le waouh que sur on veut que ce soit efficace, on veut que les gens se souviennent de quelque chose. Donc la notion d'ancrage mémoriel, qui finalement est véhiculée par les neurosciences, les sciences cognitives, les gens y sont sensibilisés. Et ça, c'est extrêmement important et intéressant parce que ça nous permet de faire d'autres propositions. Parce qu'on est les premiers convaincus qu'effectivement, il faut engager dans l'apprentissage. Donc les 4 piliers dont vous parliez, on les retrouve qu'on soit du présentiel ou du digital, on va être toujours sur ces piliers où il faut bien engager l'apprentissage, faire s'entraîner un apprenant. Voilà. Donc ça, il y a ce point-là. Il y a un autre endroit où ça devient extrêmement intéressant. Et là, on sent vraiment une bascule depuis un an, renforcée d'ailleurs par la réforme. C'est l'intérêt pour ce qui se passe en situation de travail. Quand on voit les gens dans un séminaire présentiel, dans une formation, quand ils ont fait leur e-learning, OK, c'est super, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils transforment sur place ? Et quand on parle de posture, notamment, quand on parle de comportement, de gestes, métiers, sécurité, comment est-ce qu'on observe ça, qu'on peut voir ça sur le terrain ? Et donc, le digital vient vraiment nous aider à pouvoir construire des dispositifs qui viennent soutenir ou permettre, par exemple, à un manager d'oser certaines postures qu'il n'oserait pas s'il n'était pas accompagné aussi sur le terrain. Voilà, donc ça, c'est pour moi les très grosses modifications qu'on a aujourd'hui. Et la dernière, là, dont je vous parlais, sur qu'est-ce qu'on peut faire en situation professionnelle sur le terrain, est celle qui est la plus riche d'opportunités et de créativité aujourd'hui par rapport à ce qui se fait. Donc c'est très stimulant. Et en préparant cette table ronde, on a parlé aussi de cette dimension de comment s'entraîner à apprendre, puisque l'apprenance va être cette question fondamentale. Est-ce que ces deux dimensions, les neurosciences et l'IA, peuvent nous aider aussi par rapport à cette question d'apprendre à apprendre ? Alors, les neurosciences nous ont mis en tête qu'on pouvait faire quelque chose. D'accord ? Donc, on pouvait utiliser notre cerveau. Le cerveau de tous les collaborateurs était capable d'apprendre, quel qu'il soit. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle pour beaucoup. Et vu la rapidité des transformations, vu l'obsolescence des compétences, notamment mises en perspective par l'IA qui va arriver dans les organisations, finalement, rend presque obligatoire que l'entreprise devienne un lieu d'apprentissage et un lieu d'apprentissage hyper efficace. Ce qui va être important, ce n'est pas forcément de recruter des gens préformés, c'est de recruter des gens qui vont avoir un muscle d'apprentissage hyper entraîné et de maintenir cet entraînement. Donc l'entreprise devient un centre d'entraînement pour que chacun puisse être un apprenant et apprendre de nouvelles compétences. Il y a un petit fantasme sur le fait qu'il pourra apprendre à l'infini et de plus en plus vite. À un moment donné, l'apprentissage, ça prend un petit peu de temps
quand même. Mais néanmoins, voilà, rappeler à chacun qu'il peut apprendre et l'entraîner régulièrement, et nous on le voit dans des formations présentielles, des gens qui ont déjà régulièrement été stimulés, qui ont changé de métier, sont plus rapidement enclins à désapprendre ce qu'ils ont appris pour réapprendre autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai retenu quelque chose, moi, cet après-midi, d'un des ateliers que j'ai animé, qui est aussi cette dimension fondamentale que pour apprendre, il faut d'abord avoir fait de la place. Faut avoir fait du vide, il faut avoir oublié des choses pour pouvoir en acquérir des nouvelles. Parce qu'on n'est pas dans un système infini avec une capacité à apprendre toujours, toujours plus. Et donc, on va forcément aussi soigner cette capacité à désapprendre pour réapprendre. Mais bon, Virginie, j'aimerais bien que vous nous expliquiez Tips & Learn, comment vous êtes positionnée. Je sais qu'il y a quelques slides que vous pouvez nous montrer. Et comment est-ce que vous, cette IA ou ces neurosciences, vous les utilisez avec des forces, avec des limites, avec des faiblesses, en tout cas, où vous en êtes aujourd'hui et comment ça peut vous être utile dans votre vision de la formation? Oui, alors j'avais préparé quelques slides pour mettre un peu de couleur dans cette belle salle noire. On les utilise, encore une fois, très modestement, et je vais vous donner des exemples concrets parce qu'on en est au départ, et qu'on fait en effet beaucoup de thèses, beaucoup de veilles, beaucoup de R&D. Typiquement, dans les exemples qu'on utilise au quotidien, on est en train de travailler depuis plusieurs mois avec un robot qui s'appelle Flint, qui est un robot de veille que vous éduquez. En fait, comme notre métier, c'est de transformer de l'expertise, on fait beaucoup de veille, évidemment, et on fait beaucoup d'extraction d'expertise, donc on est souvent sur Internet à se cultiver sur le sujet sur lequel on travaille. Ça prend beaucoup de temps, donc on se fait aider, mais c'est plus expérientiel qu'autre chose, par un robot qu'on éduque, qui est un robot qui est utilisé par les journalistes, qu'on éduque en fait à faire la veille pour nous. Évidemment, c'est une expérience, donc on observe la façon dont il évolue, on observe la façon dont il réagit à nos feedbacks et à cette éducation et cet apprentissage, entre guillemets, dans lequel on le guide. C'est des algorithmes, hein, derrière. Il y a, de mon point de vue, aucune intelligence, si ce n'est celle du concepteur. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. On est toujours à l'affût d'outils, et notamment, on a des partenaires, bien sûr, avec lesquels on travaille, mais on est toujours à l'affût d'outils gratuits pour être dans la démarche d'un apprentissage aussi astucieux. Et il y a des outils qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire de la production graphique. Vous avez un petit outil qui s'appelle Storyboard, qui vous permet de transformer des vidéos en BD. Derrière, c'est des algorithmes. Donc nous, dans nos productions graphiques, mais plutôt dans tout ce qui est notre communication sur les réseaux sociaux, on va utiliser ces outils-là pour produire. Autre exemple, on est en train d'essayer aussi d'avancer dans la programmation de Google Home, pourquoi pas, à un moment donné, l'introduire dans des formations présentielles. Mais là, c'est pareil, on est en train de voir ce qu'on peut faire avec Google Home, de la programmer, de tester, etc. Et puis, si vraiment on considère que ça peut avoir un plus, ou être un plus pour les apprenants en présentiel, c'est quelque chose qu'on intégrera. Mais on est vraiment beaucoup en phase de test. Voilà. C'était des sujets concrets qui nous préoccupent au quotidien. Moi, j'avais plus... en fait, on considère chez Tips & Learn qu'une de nos missions aussi, c'est de préparer ce futur c'est même aujourd'hui. Et au-delà de ça, on parle toujours de réseaux neuronaux. J'avais envie de parler des réseaux qui vont se constituer, et on en parlait tout à l'heure, qui sont des réseaux de partenaires. On est un domaine de la formation qui est un domaine où il y a beaucoup d'acteurs. Or, l'intelligence artificielle et les neurosciences, ça nécessite beaucoup de temps en R&D, en réflexion, ça nécessite de la créativité, de l'imagination. Et je suis persuadée que pour faire ça, il va falloir réunir nos forces. Et une de nos missions, c'est de préparer aussi ce qui va arriver. Et j'avais des petites choses à partager, 2 minutes avec vous, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Longtemps. Allons-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Les choses sur lesquelles, par exemple, on travaille au quotidien aussi, c'est de dire... quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à des dispositifs qui vont pouvoir, à l'adaptive learning, proposer un parcours automatiquement. Pour faire ça, il faut granulariser les contenus. On en est quand même encore là. C'est qu'un module d'une heure,
C'est peut-être moins adapté à une exploitation par l'intelligence artificielle que des petits modules. Donc nous, au quotidien avec nos clients, ce qu'on essaie de faire, de mettre en place, que ce soit en mobile learning, en réalité virtuelle ou autre, c'est de travailler sur des petits modules qu'on va déjà pouvoir articuler manuellement ou avec des plateformes qui intègrent l'adaptive learning et puis aller plus loin plus tard. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Je pense que l'interopérabilité des plateformes, des outils est importante aussi pour aller plus loin dans un proche avenir. Et en fait, en intelligence artificielle, on traite de la donnée. On a des gens qui en parlent très bien en France. Je pense à Sébastien Fraisse qui vous dirait, s'il était là, que la donnée c'est important, mais ce qu'il y a de plus important, c'est de savoir l'analyser et l'utiliser. En formation, dans les entreprises, est-ce qu'on a atteint une masse critique de données pour pouvoir à ce jour utiliser l'intelligence artificielle à bon escient? C'est une question que je pose, j'en suis pas sûre. Et enfin, quand on parle d'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine, etc., on parle de déontologie. Moi, je pense qu'en formation, on devrait commencer à en parler parce qu'on travaille sur l'humain, avec l'humain. Donc la déontologie devrait être aussi au cœur de nos préoccupations. Voilà, c'était juste un petit constat et des choses sur lesquelles je sais qu'on est plusieurs à travailler et j'espère qu'on travaillera ensemble en tous les cas. Sun Thierry, je pense qu'on a besoin d'avoir un éclairage de la part de quelqu'un qui baigne, qui a grandi, qui quelque part incarne cette réflexion autour et de la place des algorithmes et de la place de la donnée dans des parcours de formation, puisque l'adaptive learning, c'est le quotidien dans lequel vous travaillez à Didask. Est-ce qu'il y a moyen d'éclairer tout le monde sur c'est quoi un dispositif, un adaptive learning, ça serait quoi la force, ça serait quoi les caractéristiques, les bénéfices et peut-être aussi les limites? Sur la question de l'adaptive learning, enfin, c'est drôle que vous définissiez ce qu'on fait, en fait essentiellement sur l'adaptive learning, parce qu'en réalité c'est qu'une petite partie en fait, de ce qu'on fait, précisément pour les raisons que je vais expliquer, qui est que la question de la personnalisation en fait, des parcours d'apprentissage, c'est une question qui est extrêmement importante pour des tas de raisons, mais sur laquelle nous on est assez prudent en réalité chez Didask, parce que ce sur quoi on travaille, nous à la base on est une équipe de chercheurs, ce qui nous préoccupait, ce qui nous intéressait, c'est faire en sorte que les gens aient appris à l'issue d'un parcours de formation, c'est la seule chose qui nous intéresse. Après on regarde quels sont les outils qui permettent d'aider à atteindre ce résultat ou pas. Et sur la question de la personnalisation, la première chose qu'on constate beaucoup quand on entend parler de personnalisation, c'est des idées qui en fait sont assez fausses sur la manière dont les gens apprennent. Typiquement, l'une des idées reçues qui circule beaucoup sur la question de l'apprentissage, c'est l'idée des styles d'apprentissage, dont je pense que tout le monde ici a déjà entendu parler, hein, qui est issue en fait d'une grande théorie qui a été créée par Howard Gardner, la théorie des intelligences multiples, qui a ses forces et ses faiblesses, mais dont les gens ont découlé une des conclusions qu'on appelle les styles d'apprentissage, l'idée que certains apprendraient mieux de manière auditive et d'autres apprendraient mieux de manière visuelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les chercheurs c'est une idée qu'on combat beaucoup, pas parce qu'on est contre la théorie en soi, c'est parce qu'il y a eu énormément de travaux qui ont essayé de vérifier si ça marchait, tout simplement, par des travaux expérimentaux solides, dans lesquels tout simplement, vous prenez des gens qui se définissent comme visuels, des gens qui se définissent comme auditifs, ou que vous identifiez comme visuels ou auditifs, comme on voudra. Si vous prenez les visuels, vous tirez au sort un groupe de 200 d'un côté à qui vous donnez un enseignement visuel, 200 d'un autre côté à qui vous donnez un enseignement auditif, vous voyez que les deux apprennent aussi bien ou aussi mal en fonction du contenu, mais que ça ne crée absolument aucune différence. Et ça, je peux vous dire, ça a été répliqué un nombre de fois sur un nombre de sujets différents avec un nombre de types d'apprenants différents, maintenant suffisamment solide pour qu'on sache que ça ne marche pas en réalité. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, sur ce plan-là, il n'y a pas besoin de personnalisation en fait. Il y a quelque chose de très fondamental et de commun dans le fonctionnement cognitif de tous les individus, qui est qu'on apprend tous mieux quand on arrive à imbriquer ensemble une représentation picturale et une représentation verbale du sujet qu'on est en train de nous expliquer. Et du coup, beaucoup de dispositifs d'adaptive learning, par exemple, prennent ça comme acquis et disent, on va personnaliser, identifier du coup ce que préfèrent les gens, est-ce qu'ils préfèrent des contenus visuels, est-ce qu'ils préfèrent des contenus auditifs, et on va les pousser vers ces contenus-là qu'ils préfèrent. Ce que nous montre la recherche, en fait, c'est que parfois, les préférences vont à l'encontre
de l'efficacité de l'apprentissage. Et qu'il y a des dimensions, pas toutes, hein, heureusement, hein, mais qu'il y a des dimensions dans lesquelles, au contraire, il faut pousser d'autres choses. Voilà. Après, il y a des dimensions, en revanche, dans lesquelles on sait que c'est efficace. Typiquement, personnaliser en fonction des difficultés que rencontre une personne à un instant T, ça, c'est important. Par exemple, il y a des expérimentations qui ont montré que passer plus de que faire en sorte d'avoir un système intelligent qui fait en sorte que l'apprenant va passer plus de temps sur un sujet sur lequel lui a des difficultés pour les intégrer pour raison X ou Y, ça donne des meilleurs résultats. Je pense à une expérimentation là d'une équipe du Colorado qui a beaucoup fait parler d'elle et qui a été pas mal répliquée ensuite, qui comparait en fait sur un dispositif d'e-learning, c'est sur l'apprentissage des langues si je me trompe pas celle-ci, en 10 sessions. Donc vous avez un groupe qui juste aborde un sujet par session. Donc il y avait 10 sujets, hein, tout simplement. Un deuxième groupe a une piqûre de rappel à chaque séance, a une piqûre de rappel sur la session d'avant, mais toujours la même, pour tout le monde l'a fait. Et vous avez un troisième groupe, vous avez un algorithme qui ne fait pas la même piqûre de rappel pour tout le monde, qui a identifié les points sur lesquels les personnes s'étaient trompées la première fois, pour chacune, et qui ne leur fait des piqûres de rappel que sur ces points-là. À la fin, on vous comparait en fait les résultats de tout le monde en fait sur les acquis, enfin ce qu'ils sont censés avoir acquis, et vous voyez que ceux qui ont eu l'algorithme personnalisé ont un progrès nettement plus important que, alors surtout ceux qui n'ont eu aucune piqûre de rappel, mais aussi assez significatif par rapport à ceux qui ont eu un espacement en fait des apprentissages qui était générique. Voilà. Donc il y a quelques dimensions comme ça dans lesquelles on voit que c'est important, mais je vous dirais que c'est même pas le plus important aujourd'hui des résultats des sciences cognitives, même celui-là, et qu'il y a d'autres enjeux bien plus importants d'abord à adresser. Et la place de l'émotion, par exemple, puisque on était tout à l'heure sur ces différents neuromythes à détruire, mais quelle place a l'émotion dans l'apprentissage, et est-ce que émotion et technique ou technologie ou justement avec les algorithmes, est-ce qu'ils font bon ménage? Alors, le mélange entre émotion et numérique, là, comme ça, je vais essayer de vous répondre. D'abord, peut-être juste sur la question des émotions par rapport à l'apprentissage, qu'on entend beaucoup parler aussi. Effectivement, je vois beaucoup de choses tourner sur les émotions sont extrêmement importantes dans l'apprentissage. En fait, les résultats sont plus mitigés que ça, hein, sur la question des émotions. C'est pas simple, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sait que l'émotion est un énorme focalisateur de l'attention. Et donc, de ce point de vue, quelque chose sur lequel, voilà, qui vous prend au trip, évidemment que vous allez déjà focaliser votre attention beaucoup plus en termes d'apprentissage. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'émotion, quand elle est trop forte, en fait, elle efface tout le reste. Typiquement, c'est le cas typique de, vous êtes à une conférence, il y a un conférencier qui vous fait énormément rire. À l'issue, en fait, vous avez l'impression que ça a été super parce que justement, vous avez beaucoup ri. En réalité, ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup plus retenu la blague, du coup, que le fond de ce que la personne a expliqué. Et ça, c'était le fruit vraiment de pas mal d'expérimentations, hein, dans lesquelles on essaie d'exposer les gens à des choses qui leur génèrent des émotions, d'ailleurs qu'elles soient positives ou négatives, dans les deux cas. Et c'est assez mitigé, c'est-à-dire que quand c'est mesuré, ça marche, mais dès que vous générez des émotions de très fortes, des fois de manière un peu superficielle, voilà, on va faire des blagues pour animer, on va raconter des anecdotes marrantes, mais ça, d'ailleurs, beaucoup d'enseignants me disent souvent que c'est quelque chose qu'ils ressentent beaucoup sur le terrain, que quand ils font trop d'anecdotes, au bout d'un moment, les apprenants ne retiennent que les anecdotes et ne retiennent pas le fond. Parce qu'en fait, ça masque le reste. Donc c'est pour ça que nous, dans la recherche, on essaie plutôt de recommander sur le plan des émotions d'être assez prudent par rapport à ça, parce que c'est très difficile de contrôler l'effet. Ou à minima, si vous générez des émotions, il faut vraiment que les émotions portent sur le fond du sujet. Essayez d'éviter absolument de générer des émotions sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le fond du sujet que vous voulez que les gens retiennent, au risque qu'en fait l'émotion efface le reste de ce que vous essayez d'apprendre tout simplement à vos collaborateurs. On touche aussi là les questions de surcharge cognitive, parce qu'à un moment donné, de surcharge cognitive, où l'ensemble des informations qui ont été télescopées, même si elles sont censées se renforcer les unes les autres, créent un tel bruit que l'information qui devait passer est perdue. Thierry veut... C'est pas l'émotion qu'on vise en premier lieu, c'est l'attention. Ça peut être un déclencheur pour amener à l'attention, mais tout à fait, l'émotion peut ruiner l'attention. Moi, ce que je voudrais juste rebondir sur deux petites choses qu'on a entendues. La première, je vais être un peu provocant. On n'est pas visuel ou auditif. Ce qu'on montre aujourd'hui en,
en neurosciences, en tout cas c'est là où en est la recherche, c'est qu'on est tous égaux en termes de formation. C'est génial. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est la faute du dispositif de formation. Donc merci les neurosciences de enfin nous amener à nous poser la question de qui est le responsable d'une formation qui ne marche pas. Quand quelqu'un ne comprend pas, c'est forcément la faute du dispositif de formation. Là, c'est un super point, et ça, je trouve que s'il y a un truc à retenir aujourd'hui, voilà la vraie grande révolution. On va tous être obligés de remettre en cause nos dispositifs. Si ça ne marche pas, c'est de notre faute. Merci les neurosciences. Deuxième truc, je trouve aussi intéressant, c'est, je revenais sur la granularisation. Là, je bascule côté intelligence artificielle. Qu'elle soit prête ou pas, que l'adaptive learning soit efficace ou pas, il y a de toute façon aujourd'hui, tout de suite, à prendre en compte dans nos conceptions, et pour des raisons aussi neuroscientifiques et cognitives, le fait de scénariser, d'écrire. Granulariser, ça va au-delà. Hein. Granulariser, c'est se dire, j'ai forcément des respirations, parce que sinon ça ne marche pas, je ne mémorise pas. Il faut qu'il y ait une alternance de contenu et la possibilité de faire du test and learn pour le cerveau, de vérifier qu'il a bien compris. Sinon, ça ne rentre pas. On sait que le taux de rétention est nettement plus fort dans ce cas-là. Et ça veut dire séquencer de quelle manière aussi, c'est quoi la taille, et donc forcément identifier. C'est pas je vais faire des modules courts, c'est quels sont les concepts clés, quels sont les key learning factors, comme on dit en anglais, qui sont associés à chacun de ces grains, parce que ça c'est mes metadata qui vont servir demain à l'intelligence artificielle. Il faut que je sois conscient quand je l'écris, que je sois capable de les identifier et de les préciser, de pas en mettre trop, parce que sinon que ça fasse 5 minutes, ça peut être très dense et beaucoup trop riche aussi. Donc il faut bien que j'ai un nombre de concepts clés limité. Et granulariser, c'est surtout que ça tienne tout seul. Parce que demain, l'intelligence artificielle, c'est le grain 1, je vais le faire après, je vais prendre le grain 5 et je vais pas suivre la linéarité. Donc chaque contenu de formation, bref ou pas, doit être autonome et tenir tout seul. Là, j'avais un de mes clients cet après-midi qui venait me voir, on me dit « Ouais, j'ai fait un film de 9 minutes. Je suis très content, super, on a fait une vidéo qui expliquait tous les fondamentaux de l'assurance vie. » C'est trop long. Il me dit, alors il fallait faire quoi, 5, 4 ? Je dis non, en 9 minutes, de toute façon, a priori, il y a forcément trop de contenu. Et puis, le sujet est tellement vaste, s'il n'est pas séquencé, que la personne n'a pas le temps de respirer, de se dire, qu'est-ce que j'ai compris ? Eh bien, ça ne marchera pas. Et bien, effectivement, quand on allait voir les types, ils disaient, c'est sympa hein, votre film, mais j'ai retenu que la fin. Voilà, donc deux grandes leçons, c'est celle-là. Je pense qu'on peut déjà mettre dans notre petit carnet de notes pour essayer d'améliorer nos learning experience. Excusez-moi, je voulais juste revenir en fait sur un sujet qui me semble important là quand on parle de sciences cognitives, neurosciences, c'est justement en fait cette distinction entre neurosciences et le reste. Merci. Des sciences cognitives, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les sciences cognitives, en fait, c'est un ensemble de disciplines de recherche qui, toutes, que ce soit l'angle de la philosophie, sous l'angle de la biologie, sous l'angle de la psychologie, etc., s'intéressent au même sujet, c'est-à-dire le fonctionnement de la pensée humaine, de manière générale, et l'apprentissage étant l'une des dimensions de cette pensée. À partir de ça, tout ce qui s'applique à l'apprentissage, c'est essentiellement, en fait, on parle souvent de neurosciences aujourd'hui, mais en réalité, les neurosciences qui ont été très bien définies là tout à l'heure ne sont pas du tout en fait, le champ de recherche sur lequel les chercheurs s'appuient essentiellement quand il s'agit de parler d'apprentissage aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser. En fait, l'approche vraiment neuroscientifique qui consiste à analyser ce qui se passe dans le cerveau sur le plan biologique, hein, que ce soit par des IRM, des électrodes, etc., vous nous permet de répondre à certains micro-sujets ou de vérifier certaines choses sur le plan théorique, mais en réalité, le champ de recherche qui vraiment, sur lequel par exemple se sont construits, que Stanislas Dehaene a construit les 4 piliers de l'apprentissage, sur lequel d'autres chercheurs comme Henry Rodiger à l'international ont fait publier énormément, c'est la notion de la psychologie cognitive. Et il y a souvent une confusion en fait sur les deux. Et la psychologie cognitive, et c'est une confusion qui est importante en fait parce que, enfin, qui est importante de régler parce que ça crée des confusions sur ce quoi on s'appuie comme type de recherche pour pouvoir parler d'apprentissage. La psychologie cognitive, c'est une discipline expérimentale, c'est une discipline de recherche en fait qui est aujourd'hui très peu théorique. C'est une discipline de recherche qui fonctionne de manière assez simple, qui consiste en fait assez simplement, je dirais, à vérifier
l'efficacité relative de pratiques pédagogiques. Avant tout, c'est ça. Ça consiste à dire, bah, aujourd'hui, les formateurs, tous les uns les autres, on fait des démarches parce qu'on a appris à les faire de certaines manières, ou on les fait un peu parfois basées sur notre intuition, on a l'impression que ça marche mieux que ça. La recherche en psychologie cognitive, elle vient pour trancher, aider un peu à trancher sur ces sujets. Et elle fait exactement le genre d'expérimentation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre un sujet sur lequel on n'arrive pas à avoir la réponse. Après, si par exemple je viens de donner un cours ou je viens de donner une petite session de formation de 15 minutes, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse dans les 15 minutes qui suivent? Est-ce qu'il vaut mieux que je demande à mes apprenants de travailler sur le contenu, d'essayer d'élaborer une carte mentale par exemple? Est-ce qu'il vaut mieux que je leur demande d'essayer de retrouver de mémoire ce que je viens d'expliquer? Est-ce qu'il vaut mieux que je leur demande, que je leur explique une seconde fois? Bah, en réalité, c'est pas simple. Hein. Je veux dire, dès que je vous demande la réponse comme ça, moi, avant que. On est tous incapables, en fait. On peut avoir nos intuitions, mais on peut pas savoir vraiment qu'est-ce qui est efficace. Qu'est-ce que va faire la recherche? Elle va tout simplement l'étudier de manière expérimentale, générer des groupes, tirer au sort pour qu'on s'assure que. Et faire ça sur des situations suffisamment contrôlées pour qu'on soit sûr que les trois groupes qu'on va comparer, la seule chose qui va les différencier est la méthode pédagogique qui a été choisie. Et ensuite, on regarde l'effet. On compare les résultats ensuite sur qu'est-ce qui a été appris. Et donc, c'est uniquement ça, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est pas plus, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de très technologique derrière, en fait. Hein. On compare juste l'efficacité relative. Et ça, c'est le premier niveau. Sauf qu'une fois que vous avez fait ce niveau-là, généralement, en recherche, on ne va pas en parler au grand public. Pourquoi ? Parce que le résultat qu'on va trouver, même si on peut trouver à ce moment-là que l'effet, souvent celui qu'on trouve dans l'exemple que je vous ai donné, c'est le fait qu'apprendre en essayant de retrouver de mémoire ce qui a été dit a un impact bien meilleur sur l'apprentissage, sur les résultats ensuite. Si ça se trouve, le résultat, il va venir du fait que là, on avait un groupe d'apprenants de 15 ans ou un groupe d'apprenants de 25 ans et parce que le sujet portait sur la biologie ou portait sur un point de sécurité, par exemple. Et donc, on va considérer qu'on n'a pas ce qu'on appelle un niveau de preuve suffisant. La recherche scientifique, c'est un champ, c'est pas une étude. C'est un champ qui va répliquer ce type de travaux. On va le répliquer plein de fois avec des types d'apprenants différents, sur des sujets différents, des dizaines, des centaines de fois. Et des fois, on va trouver... des fois, en fait, on ne va pas réussir à conclure. Parce que, par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, il y a certaines pratiques où on ne trouve des effets positifs, mais que quand il s'agit d'enfants. Pas quand il s'agit de jeunes adultes, pas quand il s'agit d'adultes. Des fois, on trouve des effets, mais que quand c'est pour des formations académiques, mais pas pour des formations professionnelles. Et parfois, en revanche, sur 500 études, on va faire ce qu'on appelle des méta-analyses et on va voir que 95% des études expérimentales robustes sur le sujet, et qui ont été faites sur un nombre suffisamment varié de types d'apprenants et de types de sujets, montrent qu'en moyenne, apprendre de cette manière-là est plus efficace que d'une autre manière. Donc là, on considère qu'on a atteint un niveau de preuve suffisamment élevé pour être capable de le transmettre aux acteurs de terrain. Parce qu'avant, on en est juste tout de même pas sûr. Et en fait, c'est ça qu'on vous fait souvent. En fait, j'entends, parce que je parle beaucoup de sens cognitif, donc moi j'entends beaucoup de gens me dire oui, mais en fait, ce que vous dites, il y a plein de gens qui le disaient déjà. Oui, c'est vrai, apprendre par le fait de savoir aujourd'hui que l'essai, erreur et feedback, le fait d'apprendre en s'exerçant, en se trompant, en recommençant est fondamental dans l'apprentissage et améliore considérablement les apprentissages par rapport à d'autres pratiques. Des gens le disaient, des gens le mettaient en place, mais de la même manière, des gens mettaient en place les styles d'apprentissage. Des gens mettaient en place, je pensais que l'émotion était encore plus importante que cela. La recherche, elle nous permet de trancher et elle nous permet de nous dire, à un moment, si je dois faire un choix, et moi en tant que formateur, en tant qu'instructeur de formation, si je dois aujourd'hui consacrer mon énergie sur quelque chose pour obtenir des meilleurs résultats, il vaut mieux, a priori, à ce stade de connaissance de la recherche, consacrer mes efforts à faire en sorte que lorsque je fais de la formation digitale, m'assurer qu'il y ait énormément d'exercices et de cas pratiques. Ça sera beaucoup plus important et beaucoup plus efficace que de me préoccuper, par exemple, de faire une vidéo très impactante, par exemple, parce que c'est pas... ça marche moins bien, tout simplement, en moyenne. Merci Sundiari de redonner ce cadre, je pense que c'est important. C'est important d'un point de vue d'un chercheur. Après, ce qui m'intéresse... Non, mais d'un point de vue recherche, je suis d'accord. Attention à l'énorme biais, il ne faut pas oublier tout le travail des sciences sociales. Quand je prends on travaille sur l'humain, deux groupes tests, ce n'est pas une question d'âge, c'est aussi quelle classe sociale, quel héritage culturel, et ça va complètement biaiser les résultats d'expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Bien sûr. Et je pense que, mais ce que j'entends, moi, qui je trouvais tout à fait intéressant, c'est de voir qu'il y a le champ de la recherche, il y a le champ de la modélisation, il y a le champ de la pratique, et entre les deux, il y a des passerelles, il y a des ponts à faire, sans doute de collaboration, sans doute d'atterrissage de ces éléments de recherche, avec tous ces éléments et tous ces biais qui sont sociaux, qui
sont autour des organisations. Mais alors justement, moi j'ai envie de donner la parole, par exemple à Arabelle, sur, puisque j'allais poser cette question sur le test and learn, tous ces retours d'expérience, tous ces modes d'apprentissage que nous avons sans doute intuitivement déjà intégrés dans nos pratiques pédagogiques. Pour vous, par exemple, comment ça se traduit et qu'est-ce que, comment vous transformez vos approches pédagogiques, vos scénarisations ou vos constructions de dispositifs en ayant maintenant intégré cette donnée-là d'apprendre par l'erreur? Alors, apprendre par l'erreur dans un séminaire ou dans un jeu en ligne, un serious game, tout va bien, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème, c'est sécurisé et sécurisant. La problématique, c'est l'erreur dans le travail, en situation de travail. Et là, plus personne ne rigole. Hein, d'accord ? Sur les soft skills, c'est pas très grave. Hein. Au pire, je me suis un peu trompée dans la façon dont j'ai mené mon entretien, c'est pas terrible, etc. Sur des métiers où il y a de la sécurité, test and learn, attention, oui. Tout de suite, ça devient autre chose. Or, il y a un gros sujet qui porte sur ces métiers, sur le terrain, et il y a beaucoup de réflexions à mener par rapport à ça. Donc, je dis déjà prudence sur cette notion de test and learn. Voilà. Oui, dans quel cadre, avec quelles précautions, et par rapport à quoi, et quel risque est pris. Ensuite, comment est-ce qu'on fait ça le mieux? Il y a vraiment, on a des dispositifs où, quand vous devez monter en compétence des équipes entières, vraiment qui ont un métier qui est en train de bouger énormément, ce qui est vrai pour certaines équipes de formation. On accompagne comme ça un client qui revoit complètement son académie, qui a besoin de le faire avec les équipes. Voilà. Mais ce qu'on fait, c'est qu'en général, on va faire avec eux. C'est-à-dire qu'on va prendre les parcours de formation qu'ils ont à remanier, quelquefois sur des métiers qu'on ne connaît pas, qui sont des métiers, nous, très, voilà, très terrain, eux les connaissent, et on va faire avec eux. Et là, on est dans commence à être dans du test and learn, c'est-à-dire qu'on va aller étape par étape, les aider à faire, à définir le besoin, à les challenger un commanditaire, on va les aider à monter des parcours, et puis après, il y aura les sessions où on va effectivement tester les dispositifs. Voilà. Mais c'est ça du test and learn, c'est-à-dire qu'ils vont passer par différents SAS qui vont sécuriser chacune des étapes, voilà, avant qu'ils puissent mettre en pratique. L'idée, c'est comment je sécurise le test, comment je sécurise l'apprenant pour qu'il ne soit pas ridicule, qu'il ne mette pas... Parce que le ridicule, hein, fait que je ne vais pas recommencer à essayer d'apprendre et à me tromper. Comment je fais pour sécuriser l'organisation sur cette logique de test and learn et que je n'ai pas l'impression d'avoir pris des risques démesurés. C'est, voilà. Et donc ça, c'est vraiment une logique dans laquelle aujourd'hui on rentre beaucoup. Et cette forme de... On revient finalement à une notion qui est archi connue, hein, qui est le compagnonnage. C'est une forme de compagnonnage sur nos métiers que de s'asseoir à côté d'eux et de montrer le juste geste. Voilà. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir... vous avez certainement des questions et pour pas qu'on soit frustré et que vous partiez sans avoir pu poser ces questions, ben, c'est le moment. Levez la main, là vous avez des personnes qui peuvent vous éclairer. Et dans la salle, est-ce qu'il y a des questions là à ce stade de la discussion? Profitez-en. Oui. Bonsoir, Laurence Dulon, Orange. Je me posais une question par rapport à ce qui a été dit au niveau de la psychologie cognitive, parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup de mélanges dans ce que nous pouvons lire. Quels auteurs conseillez-vous, dans quels endroits y a-t-il un peu des éléments de preuve? Parce que même sur ce salon, nous entendons parfois une chose et son contraire. Donc, comment savoir qui a raison, qui a tort? Voilà, c'est pas une question d'individu, mais voilà, où trouver, vers quelles écoles, quels auteurs, etc. Si vous avez un peu de matière, je suis preneuse. Merci. Je vous conseillerais deux lectures essentiellement. La première, en fait, c'est donc le livre s'appelait en anglais Make It Stick. En français, il était traduit, une traduction que j'approuve pas complètement, mais qui s'appelle Mets-toi ça dans la tête. Les stratégies d'apprentissage à la lumière des sciences cognitives. Vous
Cherchez, mets-toi ça dans la tête, vous trouverez. L'auteur principal est Henry Rödiger, R-O-E-D-I-G-E-R. C'est l'un des plus grands psychologues cognitivistes mondiaux qui travaille aux États-Unis en l'occurrence et qui a écrit un ouvrage avec un journaliste. Donc c'est écrit de manière très vulgarisée où il y résume en gros tout ce qu'on sait aujourd'hui de suffisamment robuste, en tout cas dans la recherche, sur justement les pratiques qui fonctionnent, la manière dont, la manière dont a priori ce qu'on comprend aujourd'hui de la manière d'apprendre générale. C'est vraiment un super ouvrage qui est pour moi le meilleur en termes de montée en généralité. Ensuite, un autre ouvrage très important qui rejoint d'ailleurs le sujet dont vous parliez, qui pour moi est complètement fondamental, c'est ce que vous disiez sur la question du rapport à l'erreur. Parce qu'une fois qu'on dit que effectivement l'apprentissage en essayant, en s'exerçant, en se trompant, en recommençant, l'une des problématiques auxquelles on est confronté, c'est évidemment concrètement sur le terrain, c'est le rapport à l'erreur qu'on a tous développé de manière un peu braquée aujourd'hui à cause de... en partie l'éducation nationale, mais pas que, et qui fait que, évidemment, entre la recherche et l'application de terrain, il y a un gap, et on est là, les structures qui sont ici sont là pour essayer justement de faire en sorte que, en pratique, on soit capable de créer des environnements sécurisés. J'aime beaucoup ce que vous dites, parce que nous, sur Didask, on a nos modules digitaux, on a mis en place ce qu'on appelle des jardins d'apprentissage. Justement, dans l'idée de dire, en fait, comme nos modules sont centrés sur l'apprentissage par essai-erreur, on met en place, en fait, ce qu'on appelle des jardins, qui sont des environnements bienveillants. L'idée, c'est de dire, quand vous apprenez, vous devez être dans votre jardin à vous, qui vous appartient, vous êtes libre de faire vos erreurs, de recommencer, de vous tromper, ça ne regarde personne d'autre que vous. Et on ne fait jamais remonter les données aux formateurs, c'est un parti pris, on ne fait jamais remonter aux formateurs et à la structure et à la hiérarchie surtout, le nombre d'erreurs que vous avez faites durant votre apprentissage, justement pour créer cet environnement sécurisé dont vous parliez. Et donc la chercheuse qui a le plus travaillé dessus s'appelle Carol Dweck, D-W-E-C-K, pardon pour répondre à la question, qui est une grande chercheuse de l'université de Stanford, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe, l'état d'esprit de développement. Je vous laisse découvrir dans ces ouvrages, ils ont été traduits en français et elle travaille beaucoup dessus et je pense que c'est vraiment à lire sur cette question du rapport à l'apprentissage et du rapport à l'erreur. Oui, monsieur Legac, vous disiez qu'on était tous égaux devant la formation quelque part, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Mais moi qui m'intéresse beaucoup à la question de l'accès de la formation des moins qualifiés à ceux qui sont parfois fâchés ou qui ont le moins d'appétence, comme on dit, à la formation, j'ai lu récemment que parfois les conditions de vie, et notamment le fait qu'on ait pu grandir dans la précarité ou dans la pauvreté, pouvaient avoir provoqué des différences physiologiques, y compris physiologiquement dans la masse de matière grise qu'on peut développer par rapport à quelqu'un qui aura été bien nourri ou qui aura vécu dans des bonnes conditions, parfois des différences de matière grise qui peuvent être de l'ordre de 30%. Alors je ne suis pas scientifique moi-même, donc vous pourrez m'éclairer là-dessus, mais est-ce que ça ne provoque pas au final des différences et des inégalités malheureuses en termes de capacité cognitive? Alors là, pour le coup, on n'est plus dans les sciences cognitives, on est bien dans les neurosciences. On a effectivement pu constater, notamment le fait... chez le jeune sujet, surtout, jusqu'à 17 ans, il y a ce qu'on appelle des périodes sensibles. C'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre toute notre vie. Notre réseau neuronal est capable de se refaire. Il y a ce qu'on appelle la plasticité neuronale, il y a ce qu'on appelle le recyclage neuronal. Mais il y a des zones de notre cerveau qui ne sont plus capables de bouger, de se reconstruire. Notamment la vision. Ça se fait très tôt. Donc il y a des périodes comme ça qui sont ouvertes pour certaines zones du cerveau, les zones les plus essentielles. Voilà, c'est comme si ça se conduisait par strates. Et si à ce moment-là, on prive l'être humain concerné de, par exemple, de vitamine B, de nutriments qui sont à ce moment-là essentiels à la construction du cerveau, la lésion va être irréversible, effectivement. Il y a eu notamment un scandale célèbre dans le lait en Israël à ce sujet-là. Donc voilà, c'est pour vous répondre. Après, moi je parlais de l'adulte. Oui, on est tous égaux. Je parle de la capacité de notre cerveau à apprendre. C'est totalement bidon. Si j'ai fait 10 années d'études après le bac, et je suis sorti du système scolaire en quatrième, j'ai effectivement un cerveau qui a la même capacité à apprendre un geste technique, un concept, etc. Mais dans la pratique, je n'ai pas la même capacité sociale à aller solliciter un dispositif de formation, à comprendre ce qu'on va me dire pour rentrer dans ce dispositif de formation. Je ne vais pas avoir la même capacité à rentrer dans un système digital, j'aurai ou non accès au système digital. Donc il y a bien entendu que cette égalité biologique ne gomme pas les inégalités sociales. Et tout ce qu'on dit là aujourd'hui me fait penser à un truc. L'intelligence artificielle, ça a quoi comme effet? Un des effets
fondamentaux pour la formation, c'est que dans les 10 prochaines années, on va créer les véhicules autonomes. Donc on va supprimer un métier qui est conducteur de camion. Ce métier, dans nos sociétés occidentales, c'est le métier où on arrive à embaucher les gens qui sont sortis précocement du système scolaire. C'est une classe de la population qui est très, très, très réfractaire à tout dispositif de formation. Donc comment on va faire ? Et là, la réponse, elle n'est pas du côté des neurosciences, elle n'est pas du côté de l'intelligence artificielle. Heureusement, on a un métier, elle est du côté, effectivement, des concepteurs de formation et de la manière dont on va pouvoir créer un dispositif de formation adapté et tenant compte de l'individu et de la cible à laquelle on s'adresse. Donc oui, il y a des inégalités, bien sûr. Merci. Je vais reprendre également le fait l'égalité par rapport à la formation. Certes, il peut y avoir une égalité par rapport à la formation. Par contre, qu'en est-il d'égalité par rapport à la mémorisation ? C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément le même ancrage mémoriel selon les personnes, pas forcément au même rythme, etc. Et c'est là qu'il y a potentiellement une personnalisation de l'expérience qui peut être intéressante au niveau de l'intelligence artificielle. Qui répond sur les capacités de mémorisation ? Est-ce qu'on est tous égaux sur les capacités de mémorisation ? De mémorisation, ou est-ce que cette capacité, ce travail se développe et s'entraîne ? Ce qu'on sait dessus, à ma connaissance, il y a deux choses. D'abord qu'il y a une inégalité, mais qui n'est pas tant liée à une inégalité, je dirais, biologique, qui est liée au fait que vous allez être d'autant plus capable de mémoriser quelque chose que vous êtes capable de le connecter à des expériences vécues, à d'autres connaissances que vous avez. Quand vous imprimez quelque chose un peu de manière vierge, parce que vous n'avez rien qui se rattache à ce sujet pour vous, ça vous avez aucune expérience, ça ne se raccroche à rien, c'est effectivement très difficile de le mémoriser, parce que vous n'allez avoir aucune en fait, trace mentale, ce qu'on appelle trace mentale, qui sont des chemins d'accès et de récupération en mémoire pour retrouver cette information. C'est pour ça notamment que, là on a une inégalité, c'est que par exemple, des jeunes par exemple, ou des adultes qui ont un gros background culturel, parce qu'ils ont beaucoup été au musée, ils ont beaucoup été, à l'école, quand un prof d'histoire en fait, donne cours, et qu'ils peuvent le raccrocher à des expériences qu'ils ont vécues, à des discussions qu'ils ont pu avoir à table, ils vont pouvoir avoir une plus grande probabilité de le mémoriser. Mais ce n'est pas lié au fait que biologiquement ils sont supérieurs aux autres. C'est lié au fait qu'ils ont le background qui leur permet de connecter les choses. La deuxième chose qu'on sait quand même malgré tout qui est rassurante, c'est que cette différence qui est liée à la quantité de connexions préalables que vous pouvez faire, elle est quasiment entièrement compensée par le fait de mettre en place des bonnes méthodes de mémorisation pour n'importe qui. C'est-à-dire que même des gens qui ont peu de connexions, s'ils mettent en place des méthodes d'apprentissage, par exemple, plutôt que de faire, quand on rentre sous nous, souvent on dit à son enfant, relis ton cours. Si à la place, en fait, on lui disait, non, tu le masques, essaie de te restituer, même si tu n'y arrives pas, essaie, et ensuite tu regardes, la probabilité qu'il ait mémorisé est beaucoup plus élevée et compense quasiment les différences que vous auriez entre les classes sociales par rapport telles qu'on les mesure aujourd'hui. Ce qui est quand même rassurant. Et là, c'est notre responsabilité à nous tous, formateurs, concepteurs de formation et de dispositifs. Ça nous interpelle sur notre ingénierie et notre façon d'aller stimuler et outiller ça. Et si en plus le gamin teste tout de suite si ce qu'il a appris, ça marche ou pas, et là, il va mémoriser encore mieux. Bien entendu. Faisons un petit tour, parce qu'il va falloir qu'on conclue. Mais c'est l'occasion pour chacun maintenant de s'exprimer et dire ce qu'il a envie de sortir de cet échange. On pourrait rester pendant 3 heures et on pourrait apprendre beaucoup de choses, nous tous ensemble, et encore plus si on vous donnait encore plus le micro, parce que moi je crois beaucoup aussi à l'intelligence collective qui n'est pas du tout incompatible avec et l'IA et les neurosciences. Donc Virginie. Oui, je voulais juste revenir quelques secondes sur ce qui est au cœur de nos préoccupations, c'est l'apprenant. Et faire le pont entre les neurosciences et l'intelligence artificielle dans ce qu'on vit aussi au quotidien. Les neurosciences ont confirmé, mais en tous les cas, nous on le présentait avant, les neurosciences, que la reformulation fait pleinement partie du processus d'apprentissage pour l'apprenant. L'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, j'en suis convaincue, font qu'on apprend aujourd'hui autrement. En tous les cas, moi, j'ai vraiment le sentiment que ma façon d'apprendre et d'intégrer des nouvelles informations n'est pas du tout la même qu'il y a 20 ans.
Donc au quotidien, je suis aussi convaincue que notre rôle par rapport à tout ça, c'est de donner à l'apprenant une place autre que celle qu'il a aujourd'hui dans nos dispositifs d'apprentissage et de l'accompagner et de l'aider encore plus à faire ce travail de reformulation. Pour ça, l'intelligence artificielle aussi peut avoir ses usages. Je vous le disais tout à l'heure, on utilise parfois des petits outils qui vont simplifier par exemple la production et qui vont permettre aux apprenants, une fois qu'on a travaillé avec eux sur un sujet, de reformuler, grâce à la production d'un visuel, très simplement, de reformuler ce qu'ils ont pu apprendre. Et on est quelques-uns sur le salon à blaguer sur le sujet de donner le pouvoir aux apprenants, beaucoup plus dans nos formations. On en rigole, mais je pense que c'est aussi un sujet à creuser dans les années à venir. Arabelle, un dernier mot aussi. Moi, ce que je retiens, surtout ce qui me frappe, c'est toute cette recherche qu'il y a sur ce sujet de l'apprentissage et ce côté un peu magique qu'on a l'air d'attendre de l'IA, de l'adaptative learning, comme si par hasard, il y avait une solution magique avec un bouton, une machine, tac, il saura quoi apprendre. En plus, il va l'apprendre vite et sans effort. Je suis désolée, apprendre, c'est de l'effort. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai la bonne méthode de mémorisation, mais il faut encore que je l'applique, que je veuille bien y aller. C'est de la volonté. Et je pense qu'il va falloir aussi savoir reconnaître cet effort que font les apprenants au quotidien. IA, neurosciences, on en a parlé. Il y a effectivement des choses à en tirer. Moi, ce que j'ai essayé de faire passer, ce sera mon mot final, ça ne dispense pas d'une chose, et c'est ça le métier au bout du compte de concepteur de formation, c'est que dans tous les cas, il faut accompagner et il faut enchanter l'expérience. Il n'y a que ça qui marche, voilà. Et qui est une machine, qui est du... Tout ça, c'est des outils, on va s'en servir, on s'en empare, on est libre, et effectivement, on essaye d'enchanter l'expérience, et surtout, on accompagne l'apprenant. On ne le laisse jamais seul. Merci. Et Sunkiri. Je dirais que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que les sciences cognitives, ça ne remplace, ce n'est pas la pédagogie. C'est deux choses qui sont, c'est vraiment deux choses différentes. Les sciences cognitives, elles sont un guide. Ce sont des résultats solides qui ont été vérifiés, qui ont été travaillés, qui vous font sont un guide pour les formateurs et pour les concepteurs d'information que vous pouvez être. Il n'empêche pas que la manière de les appliquer sur le terrain doit dépendre du contexte, doit dépendre de votre public. Et c'est pour ça que le métier du scientifique, il s'arrête à ce résultat. Et pour le coup, je me situe assez à contre-courant d'une grande phrase qu'a dit Stanislas de Haine, qui a beaucoup tourné, où il disait que l'enseignement est une science. Et quand je suis en complet désaccord, je pense que l'enseignement et la formation, de manière générale, c'est une pratique. C'est une pratique et non une science. C'est deux choses très différentes. C'est comme la médecine. Les médecins, ils s'appuient sur énormément de connaissances scientifiques, sur le fonctionnement du corps humain, sur l'efficacité relative de démarches, de médicaments. Mais ensuite, quand ils ont leur patient devant eux, avec toute sa complexité, etc., c'est à eux de savoir parfois faire le pas de côté et de se dire, par rapport à lui, voilà comment je vais interpréter. Mais c'est essentiel pour tous les formateurs, je pense, de s'armer de cette connaissance de manière suffisamment profonde pour être capable de savoir justement comment l'appliquer dans leur terrain spécifique pour faire en sorte que leurs apprenants juste se forment mieux. Merci beaucoup, nous faisons un merveilleux métier. Je pense qu'on peut applaudir nos quatre participants de cette table ronde.